Aujourd'hui au programme, DS ose dévoiler une réinterprétation de l'ASM et une étude révèle si les Français sont satisfaits de leurs voitures électriques. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Il se tient actuellement le Chantilly Art et Élégance, ce festival où l'on admire des voitures que personne n'aura jamais la chance de conduire ou même de revoir. Et cette année, DS nous présente un concept car baptisé SM Tribute, un hommage à la légendaire Citroën SM, ce vaisseau des années 70 équipé d'un moteur Maserati. Mais, et c'est là tout le sel de l'histoire, comme avec la Renault R17 Resto Mode, ce concept ne sert absolument à rien. Pourquoi ? Parce qu'il est unique et ne sortira jamais en série. En gros, Citroën et DS aiment se donner des coups de pied dans le tibia juste pour le plaisir. Et je vous pose la question, que fait DS ? La marque n'a pas sorti de nouvelle voiture depuis 3 ans et là, il débarque avec un hommage à une vieille icône Citroën alors qu'ils ont toujours juré qu'ils ne regarderaient jamais en arrière. Et bien maintenant, ils fouillent dans la cave au trésor de Citroën pour essayer de nous vendre un rêve qui n'existera jamais, d'autant plus que le plan produit pour les années à venir ne prévoit que des SUV. En parallèle, DS pensait faire fortune en Chine, mais il s'avère que les Chinois ne veulent pas des productions de DS. Ils ont donc dû revoir leur copie, mais au lieu de nous proposer un modèle qui pourrait les sauver, ils préfèrent lancer un hommage frustrant à la Citroën SM. Thierry Metroz, le patron du style chez DS, nous explique qu'ils veulent désormais cultiver leur héritage. Le design du SM Tribute est censé rendre hommage à l'original, avec cette verrière avant qui protégeait les phares comme un bouclier anti-émeute, mais à la place, on a maintenant un écran 3D avec des diodes et des pointes de diamants. C'est magnifique, mais tout aussi utile qu'un cendrier sur une moto. Le plus drôle dans tout ça, c'est que, faute de moyens ou de temps, l'intérieur n'a même pas été fini. Enfin, il n'a pas été commencé, il a simplement été dévoilé virtuellement. Alors, DS, où est-ce que vous allez avec tout ça ? Franchement, on aimerait bien savoir, mais j'aimerais avoir vos avis dans les commentaires. Comment trouvez-vous cette réinterprétation de la fabuleuse SM ? Parlons maintenant d'une étude intéressante concernant les voitures électriques. La grande question qui flotte dans l'air, comme la pollution que ces voitures sont censées éliminer, est la suivante. Est-ce que les gens qui ont franchi le pas de l'électrique sont contents de leur choix ? Eh bien, Enedis a mené une étude, ils ont interrogé 1000 propriétaires de voitures électriques ou hybrides rechargeables et surprise, 91% sont globalement satisfaits. Mais sur ces 91%, la grande majorité habite dans une maison individuelle. Tout logiquement, si vous avez une grande maison avec un garage et une jolie prise de courant à portée de main, forcément, ça va bien se passer. En fait, 85% de ces heureux propriétaires de voitures électriques vivent en maison contre seulement 15% dans des immeubles. Et sans surprise, là encore, 90% des propriétaires de maisons branchent leur voiture chez eux, dans leur garage, pendant qu'ils dorment tranquillement. Ceux qui habitent en immeuble sont un peu moins chanceux, avec 66% qui parviennent à recharger à domicile. Au final, cette étude montre une chose claire, pour aimer une voiture électrique, il faut d'abord cocher la case « maison avec garage » sur sa liste. Parce que soyons honnêtes, quand vous avez tout ce qu'il faut sous la main, recharger votre voiture est un jeu d'enfant. Mais pour ceux qui vivent dans un immeuble sans borne de recharge, c'est un peu comme essayer de jouer aux échecs sur un mur. Ça peut marcher, mais vous allez vous arracher les cheveux en essayant. Et vous, avez-vous un grille-pain avec des roues et en êtes-vous satisfait ? Dites-moi ça dans les commentaires. Et avant de terminer cette vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon autre chaîne Vintage Drivers avec des histoires automobiles, des essais et d'autres trucs pas forcément super intelligents, mais toujours faits avec beaucoup de bonne volonté. N'hésitez pas à venir vous y abonner, il y a une nouvelle vidéo chaque dimanche. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao !